体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力、見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Et hey, tout le monde, c'est Ansei, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler du manga Dragon Ball Super. Alors vous avez été très nombreux là depuis une bonne semaine à m'envoyer plein de messages. Ansei, tu vas parler du chapitre 23, Ansei, t'as vu le chapitre 23? Oui, je l'ai vu. C'est juste que j'avais pas trop le temps d'en parler, mais oui, je l'ai vu comme vous, j'ai eu la méga hype, je l'attendais au tournant. Donc vous le savez, hein, toujours un vrai régal pour moi ce manga, hein, c'est vraiment un délice de voir comment Toyotaro met en scène les choses. Et en plus, il se permet finalement de faire une histoire quand même qui est de plus en plus différente de l'anime. Du coup, je vous le disais et je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un régal en fait de lire le manga, d'autant plus que finalement tu te retapes pas la même histoire et tu découvres quelque chose qui... dans le fond est pareil, mais évolue différemment. Donc déjà, t'as plein de petits retours de transformation, voilà, comme le Super Saiyajin God simple qui revient et qui est très important dans l'histoire. On en a pas mal parlé lors du chapitre 22, donc ça n'a pas forcément plu à tout le monde, c'est ce que j'avais pu voir dans vos réactions. Après voilà, chacun son avis, moi je sais que je suis très très fan finalement de cette forme-là. Et puis aussi, il y a peut-être le côté... J'en ai pas parlé, mais c'est une réflexion que je me suis faite plus tard. En fait, je pense que si aussi j'adore la forme du Super Saiyan God, donc dans son format rouge, peut-être parce que finalement ses apparitions sont plus rares. Donc tu les savoures un peu plus. Que quand tu prends l'habitude d'avoir une transformation un peu trop souvent, inconsciemment, tu t'en lasses en fait. Donc voilà, je trouve qu'en plus elles sont bien utilisées, donc c'est assez sympathique. Et donc, concentrons-nous sur ce chapitre 23. Alors c'est l'occasion de retrouver Gatai Zamasu, donc le Zamasu fusionné, hein. Donc, qui est légèrement différent au niveau de son design. Il n'a pas cette espèce d'auréole un petit peu qui sortait d'Asura Wars, pour ceux qui connaissent le jeu. Très bon jeu, d'ailleurs. Mais voilà, il n'a pas ce truc-là dans le manga, peut-être parce que c'était peut-être un petit peu chiant à dessiner, ou que peut-être Toyotaro ne voyait pas vraiment l'intérêt d'intégrer ce truc-là. Bon, c'est pas super gênant en soi. Alors du coup, la mise en scène de ce Gatai Zamasu est vraiment très différente de celle présente dans l'animé, puisque déjà, t'as un combat qui s'étale un petit peu plus longtemps et qui est vraiment très agréable, où on te montre vraiment sa différence de puissance et cette violence qu'il a. Alors c'était légèrement présent lors de l'animé, je sais pas si vous vous rappelez, avec la mégasphère destructrice qu'il faisait, ce genre de pouvoir. Ici, il a pas vraiment les mêmes pouvoirs. Déjà, il est très fort physiquement, très 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 rapide. Je pense notamment à la scène où Vegeta lui fait un rush dessus, et où en plein rush il lui met plein de coups comme ça. Donc je trouve l'idée un petit peu aussi de cette espèce de ce jeu sur les esquives où il est intouchable et il met des comptes juste comme ça avec ses mains, très proche de la manière de se battre de Zamasu qui nous avait été présenté, donc avec son espèce de tai chi un peu self-défense. Donc il garde ce côté là puisque finalement c'est la même personne, et en étant extrêmement rapide et puissant, donc il domine complètement Goku et Vegeta. Et ce que j'ai adoré dans ce chapitre là c'est qu'en plus est mis en avant vraiment son côté, ses pouvoirs divins, donc cette espèce de pouvoir télékinésique qu'il a. Et bon, ça a fait un petit côté Star Wars, mais c'est pas souvent qu'on voit ce genre de truc dans Dragon Ball où t'as un personnage qui, par la télékinésie, va étrangler Goku et Vegeta comme ça, les soulever, les maintenir, faire plein de pouvoirs comme ça. Pareil, l'idée du fait qu'il puisse faire apparaître donc du Kachin, c'est ça, le métal le plus dur de l'univers. Bon, forcément, t'as plein de flash avec le background de Dragon Ball. D'ailleurs, Totalo, bon, on sait que c'est un fan de Dragon Ball, mais il utilise très très bien le background de Dragon Ball. Il l'utilise vraiment énormément bien. Alors même, j'ai vu certaines réactions qui disaient que c'était peut-être un petit peu trop, justement, que t'as un peu trop justement de rappels aux anciens, mais moi je trouve que c'est pas désagréable tous ces rappels avec on utilise vraiment le background, donc le Kachin, ce métal indestructible, donc il en envoie plein sur Goku à un moment donné qui doit essayer de survivre face à ça. T'as le côté aussi de certains plans, donc bon, forcément le manga est plus violent, donc c'est une des choses qui fait, bon, ça c'est en général que j'ai souvent plus gros kiff à lire les mangas que regarder les animés. Alors, les animés va s'en sortir, je le dis souvent, par la musique, la mise en scène, tout ça. Mais le manga, il y a le petit plus, c'est la violence. Les mangas sont toujours plus violents à cause du côté peut-être noir et blanc, le format papier. Et du coup, du Dragon Ball violent, ça fait tellement plaisir. On va dire que je suis un psychopathe, mais voilà, au moins, t'as vraiment un sentiment de danger, de violence, tout ça. Et du coup,
t'as des plans assez violents dans ce combat, donc ça donne vraiment du punchy. Et en plus, il se permet derrière de faire des rappels avec voilà, des petits clins d'œil, des petits hommages à la saga Cell, quand par exemple t'as Zamasu qui est coupé en deux, ce genre de choses. Donc un chapitre vraiment très agréable à parcourir, et donc l'arrivée de Super Végéto. Donc un petit peu à l'image finalement donc de son arrivée lors de la saga Buu dans le manga. Donc moi, c'est vraiment la fusion qui m'avait le plus marqué, parce que voilà, elle apparaissait dans le manga, et quand j'ai feuilleté les pages à cette époque-là, j'étais... Voilà, c'était Dieu, tu vois, qui apparaissait là pour 3-4 pages, il n'était pas très présent. Donc là, c'est pareil, hein, ça dure que quelques pages, mais c'est vraiment des pages surkiffantes. Les plans sont vraiment magnifiques. T'as vraiment une intensité de puissance et de combat. J'ai qu'une seule déception, c'est, je vous l'avais dit, hein, au chapitre 22, j'espérais tellement voir un Végéto Super Saiyajin God, tu vois, pas tout de suite Super Saiyajin Blue. J'espérais, mais tellement qu'il nous fasse ce plaisir-là de nous montrer un Super Végéto Super Saiyajin God, la première fusion finalement en forme de Super Saiyajin God. J'aurais adoré voir ça. Bon, ils ne l'ont pas fait. Il a préféré tout de suite transformer en Super Saiyajin Blue parce que, bah, de toute façon, c'est logique avec le combat, il faut en finir très rapidement. Et finalement, bon, on comprend que par cette surpuissance, il diffusionne très vite. Alors après, on va parler un petit peu de tout ce qu'il y a en fond sur déjà l'explication qui nous avait été donnée lors de l'animé qui avait fait pas mal rager et qui est un petit peu plus précise ici sur le fait que la fusion des Potara n'est pas finalement éternel si ce n'est pas deux Kaioshin qui la font. Donc deux Kaioshin qui la font, c'est pour l'éternité, mais si c'est des mortels, ça ne dure qu'une heure. Donc voilà, ça ne dure qu'une heure. Et donc du coup, on sait que voilà, Végéto, c'est pour ça qu'il n'avait pas tenu à l'époque contre Buu et qu'il avait défusionné. Et du coup, tu as des vraies remarques ici qui n'ont pas été vraiment faites dans l'animé et qui manquaient, comme par exemple Kaioshin qui dit « Tiens, j'étais pas au courant de ça, alors c'est pour ça que vous avez défusionné quand vous étiez dans Buu et c'était pas à cause de Buu. » Voilà, des remarques que toi, en tant que fan, tu te fais. Ici, on voit que Tohotalo maîtrise bien son sujet, fait ses petits rappels qui sont importants, mine de rien, pour que le tout reste cohérent. Bon, ça fera toujours grincer des dents ou pas. En tout cas, ça reste logique, ça ne trahit pas, je trouve, l'œuvre originelle. Donc voilà, t'apprends que la fusion qui dure ne dure qu'une heure. Du coup, même la fusion en soi est bien amenée, puisqu'ils ne fusionnent pas tout de suite, Vegeta et Goku, face à cette fusion de Gata et Zamasu. Ils restent fidèles à eux-mêmes et veulent l'affronter un par un, ce qui est complètement débile vu la situation. Mais voilà, c'est des Saiyajin et ils fonctionnent comme ça. Et Vegeta change d'avis immédiatement quand déjà il apprend que c'est pas éternel, donc déjà ça l'arrange bien le coquin. Et surtout, bon, il a été touché par ce discours avec Trunks et qui lui parle de Bulma. C'est très intéressant d'en apprendre plus sur la Mirai Bulma, parce qu'elle est très en retrait dans le manga, donc t'apprends qu'elle espérait en fait le suivre et revoir Vegeta, qu'elle était vraiment très éprise de lui. En fait, même s'ils le montrent pas, ils ont une relation très forte les deux. Du coup, c'est sympa aussi de voir à quel point ça touche Vegeta, en fait, cette déclaration de Trunks. Et il en met même un petit peu sa fierté et ses préjugés de côté, justement, pour protéger et sauver un petit peu ce qui reste du futur de son fils. Bon, entre guillemets, t'as aussi la parenthèse qui explique très bien le fait que Trunks et Mai sont vraiment les deux derniers survivants de ce futur-là, donc on sait qu'il n'y a pas d'autres survivants. Du coup, bon, l'apparition de Végéto est un petit peu plus justifiée et bien amenée, donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et pareil, donc la dernière chose dont on va parler, hein, mais qui est le gros morceau finalement de ce chapitre et qui est hyper intéressant, c'est sur le fait que, donc ici, Tohotalo ne joue pas sur le côté mortel donc de Gata et Zamasu. Hein, pour rappel, dans l'animé, on savait que Gata et Zamasu, finalement, c'était une fusion définitive, parce qu'on considérait que qu'il était au stade de Kaioshin, tout ça. Et l'animé avait misé sur le fait qu'il y avait une partie en lui qui était mortelle, et donc elle pourrissait, tout ça. Bon, ça avait donné ce truc un petit peu bizarre de ce Gata et Zamasu. Ici, on voit que Végéto n'affronte pas cette forme un peu moisie, consumée, corrompue de Gata et Zamasu. Hein, il affronte un Gata et Zamasu perfect, on va dire, voilà. Et on mise sur le fait qu'il faut gagner du temps et que Gata et Zamasu va défusionner, parce que Zamasu n'a pas et n'a jamais eu le stade de Kaioshin. Du coup, on sait qu'ici, ils doivent gagner du temps, on ne sait pas comment ils vont se démerder, mais Gata et Zamasu va défusionner. Donc le manga se dirige vers une fin complètement différente, même si on va peut-être retrouver certains éléments, je pense notamment à l'intervention de Zeno, mais Tohotalo a pris une direction complètement opposée de l'animé. Alors on peut espérer du coup voir un véritable combat final avec Black Goku, ça c'est vraiment pour moi le gros plus, et la hype est vraiment présente pour voir le chapitre 24.
Parce que s'ils arrivent à tenir au moment où ils défusionnent, alors je sais pas si du coup le chapitre 24 par exemple va se concentrer tout du long avec Gata Isamasu et eux qui essayent de survivre et on te fait un cliffhanger en fin de chapitre pour qu'ils défusionnent ou s'ils défusionneront en milieu de chapitre. Moi je pense que le chapitre 24 certainement sera le dernier de cet arc là, puisqu'on sait que le manga doit rattraper assez rapidement l'anime et au dire de Otaro le dépasser, donc on va voir comment ça va faire. Mais du coup, on peut espérer un final avec Black. Alors là, du coup, on revient finalement à toutes les spéculations qu'on pouvait se faire à l'époque. Je trouve ça génial sur comment ça va se terminer, du coup. Parce que déjà, il y a plein de choses qui sont vraiment différentes. Déjà, le rôle de Trunks, il est tellement mineur dans le manga. J'ai même envie de dire qu'il sert pas à grand-chose, en fait. Donc, parce que là, clairement, je trouve, oui, il sert vraiment pas à grand-chose. Donc, est-ce qu'on va avoir, enfin, peut-être une mise en avant de Trunks? Et peut-être que ça se finira comme ça, avec Trunks qui se transforme, peut-être pas la même transformation. Est-ce qu'on aura le Ikari Trunks? Est-ce qu'on va avoir un Trunks Super Saiyajin Blue? Peut-être, voilà, un Trunks qui va complètement sortir de ses gonds à l'image de Gohan, et l'auteur va miser là-dessus et finir avec lui. Peut-être aussi, on va partir peut-être sur autre chose. Est-ce que vraiment, moi en fait, ce que j'ai hâte de voir, c'est est-ce que Toho Talo va prendre le parti de voir vraiment Black se faire détruire? En soi, voir Goku, tu vois aussi. Quelque part, tu verras Goku se faire détruire, se faire annihiler. Ou est-ce qu'ils vont partir sur autre chose? Je sais pas, moi, arriver à extraire Zamasu du corps de Black Goku ou quoi. Pareil, qu'en est-il de Zamasu qui finalement restera immortel là pour le coup? Comment ils vont faire pour s'en débarrasser? Est-ce qu'ils vont appeler Zeno et du coup Zeno en fait va se débarrasser de Zamasu comme ça d'une pichenette? Parce que on sait pas vraiment, lui, est-ce que l'immortalité ça va l'arrêter ou quoi? Est-ce que ça se terminera comme ça? Ou peut-être qu'on partira sur autre chose que j'avais imaginé déjà à l'époque. Est-ce que donc Goku ou Vegeta donc va arriver peut-être à vaincre ce Black Goku? Et en le détruisant, étant donné que c'est la même personne finalement, ça va dépendre de la conception du temps et toutes ces choses-là de Toho Talo, mais peut-être qu'il va peut-être miser sur ce fait que si tu détruis Black Goku, bah même si Zamasu est immortel, en fait il sera détruit aussi puisque c'est la même personne. On va peut-être partir sur ce genre de choses, donc ça peut donner quelque chose d'assez intéressant. En tout cas, voilà, le mystère est de nouveau présent, la hype est là, puisqu'il y a peu de chances que ça finisse encore une fois avec la Genki Sword finalement, puisque déjà il n'y a plus aucun survivant sur la planète de Trunks, donc il n'y a plus que Mei, lui et les autres guerriers, donc c'est pas avec ça qu'il ferait une méga Genki Sword, et c'est pas avec ça non plus que Goku fera un Genki Dama. Donc on aura vraiment une fin différente, et ça fait plaisir. Et je me pose, alors je terminerai là-dessus, moi, surtout, la dernière hypothèse que j'ai, c'est on n'a pas eu le canon Gaïric père-fils, qui est quand même quelque chose de très fort, qui était très plaisant à voir dans le manga, et au vu de la relation qu'est en train de mettre en place Toho Talo entre Trunks et Vegeta, ce dialogue qui était quand même assez portant dans le manga et assez prenant, je me dis, et si il va pas terminer finalement avec ça, tu vois, un canon Gaïric père-fils, et si ça se finissait pas comme ça en fait? Ça peut donner quelque chose d'intéressant. Ce qui est sûr, faudra justifier derrière comment ils vont se débarrasser du Zamasu immortel. Mais Black, toutes les portes sont ouvertes et j'ai hâte de voir un petit peu ce que ça va donner. Sur ce, eh bien, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à me faire part de vos hypothèses, de vos avis dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous pensez vraiment de ces changements par rapport à l'anime? Est-ce que vous trouvez ça bien ou au contraire moins bien? Moi, je trouve ça vraiment... Moi, j'ai beaucoup aimé l'anime, mais c'est vrai que la fin m'avait vraiment... Je vous l'avais dit à l'époque, ça faisait vraiment bizarre, j'avais vraiment l'impression que ça s'était terminé blaou, d'un coup comme ça. Du coup ici ça traîne un petit peu plus et j'ose espérer que Toho Talo arrivera à faire mieux. Parce que c'est vrai que la fin de l'arc Black Goku, j'étais un peu resté sur ma fin. Je trouvais que ça s'était un petit peu fini en queue de poisson, donc j'ai hâte de voir un petit peu les choix de Toho Talo là-dessus. Voilà, sur ce je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente fin de semaine, je vous dis à la prochaine, tchuss.